Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, je fais cette petite vidéo. Donc c'est une vidéo haul. Donc désolé pour le cadre, tout ça, mais j'ai oublié, comme je l'avais dit la dernière fois, la perche chez mes parents. Donc comme je suis pas allée ce week-end, ben, j'ai pas su la récupérer. Donc je fais avec les moyens du bord. Donc voilà, je suis allée à Action. Je viens justement d'y revenir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et vous faire les tests en même temps. Donc je vous explique le pourquoi. Donc en fait je voulais acheter pour faire des fonds ou autres, des accessoires, je vais dire ça comme ça, métalliques, des peintures métalliques ou de l'acrylique ou peu importe. Et en fait j'ai voulu faire un colo et je l'ai complètement foiré. Parce que j'ai voulu mettre des Easing Diamond sur le fond et du coup le colo était complètement foiré. Et j'ai Colorfila et Nabaya qui m'ont dit fais ton fond avec de l'acrylique ou de la peinture noire. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai pris celle de Action justement qu'il y a dans les petits pots comme ça. Et c'était justement une noire métallisée et j'ai trop aimé faire le fond avec cette couleur-là. Donc je me suis dit pour faire des fonds tout ça c'est génial. Du coup j'ai voulu retourner pour en racheter mais malheureusement ils étaient seulement en train de réapprovisionner tous les rayons et peut-être pas ce rayon-là donc j'en sais rien. Du coup quand je suis arrivée il n'y avait plus de pots ni des anciens ni des nouveaux. Enfin il n'y avait plus rien du tout allez pour les pots il n'y en avait plus aucun. Donc du coup je m'étais dit hier, je vais regarder sur le site internet et j'ai vu justement 2-3 trucs qui m'intéressaient. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller chercher. Et par ailleurs, je prendrai en même temps la peinture noire si elle y est. Donc j'ai pris ceci. Donc c'est la peinture, enfin c'est de l'acrylique métallique doré. J'ai payé, je pense, 2 euros le pot. Et il y a 250 millilitres dedans. Donc pour vous dire que ça coûte vraiment rien du tout. Ensuite, j'ai pris la silver, donc l'argentée. Et j'ai pris, c'est les seuls qui est en métallisé. Et la copper. Je me dis qu'à des fois, pour faire des fonds ou même pour faire des petits détails dans des colos, je me dis que ça peut être sympa. Et pour le prix, franchement, c'est raisonnable. Donc, je vais vous faire le petit test des peintures. Bien sûr, il y a un petit truc à l'intérieur, forcément. Je viens de constater que sur la dorée, j'avais une griffe dans le plastique. Donc du coup, je pense que le plastique est assez épais. Ouh, merde. J'ai mis un peu trop là. J'ai fait une grosse crotte, tant pis. Bon, désolé du coup pour le bruit. Allez. Bon, comment je fais? Ben, pas étonnant, quelqu'un s'en était déjà servi. C'est ça que... J'aurais dû faire plus attention, tant pis. Ça a servi, les gens ont sûrement regardé à l'intérieur. Bon, celle-ci, elle n'a pas été ouverte. Hop. Hop. Donc ici, je vais vous montrer sans étaler. J'en mets trop, mais bon, tant pis. Après, j'essaie de trouver un moyen, peut-être pour les mettre autrement. Bon, là, j'ai... Hop, je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne sur papier. Bon, j'ai fait des gros pâtés, je n'ai pas su gérer. Mais je vais vous montrer maintenant avec un pinceau ce que ça donne. Après avoir ce que ça donne sur un dessin, si ça fait vraiment opaque ou pas. J'ai pas idée que ça sera vraiment bien opaque par contre. Je pense que ça serait mieux pour faire des petits détails, mais pas pour des fonds. Ou alors c'est peut-être parce que je ne me prends pas le bon... Pinceau peut-être. C'est un pinceau aussi qui vient de chez Action. Après, c'est peut-être moi qui m'en sers mal, je n'en sais rien. Après, j'ai fait un gros pâté aussi. Bon, là, vous ne me voyez pas, je suis hors cadre, j'ai pas fait attention. Merde, je suis en train de mélanger les deux couleurs, ça serait, c'est vraiment biaise. Bon, voilà ce que ça donne pour l'argenté. Je trouve pas ça tip top. Bon, après, je suis pas sur du bon papier. Mais voilà ce que ça donne pour le silver. Après, j'ai pas pris le bon papier non plus. Je rince le pinceau sur un mouchoir. Ensuite, je vais faire le doré.
Je pense que le doré peut être beaucoup plus sympa sur le papier, par contre, que le silver. Et mieux étalé, je pense que. Même le silver, je pense que s'il est mieux étalé, je pense que ça peut bien le faire. Parce qu'ici, je tapote. Et en tapotant, franchement, c'est nickel. Voilà ce que ça donne pour le doré. Et je vais faire le copper. Je crois qu'en tapotant, ça peut le faire. Parce que franchement, c'est vraiment bien métallisé par contre. Je vais tapoter aussi pour le copper. Après, j'ai pas un bon pinceau, je pense que j'aurais dû prendre une autre forme. Ouais, je pense qu'en tapotant et en mettant plusieurs couches, ça peut vraiment bien le faire. À tester sur un colo pour voir ce que ça donnerait. Et voilà pour le copper. Bon, après, j'ai mis une tonne de couleurs. Je vais vous l'étaler pour que vous puissiez voir la couleur, ce que ça donne. Mais franchement, j'aime bien. À voir ce que ça va donner sur un colo. Voilà. Bon, après, avec la lumière, c'est pas évident. On voit bien que c'est quand même bien métallisé. Voilà. Voilà pour le petit test pour ça. On met ça sur le côté avant de faire des bêtises parce qu'il y a quand même pas mal de couches. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient fait des nouveaux paint marqueurs. Donc je les ai pris parce que, enfin je les ai pas encore vus sur les chaînes françaises perso. Donc ce sont, il y a une, deux, trois, quatre couleurs métalliques à chaque fois. Donc il y a le ocre gold, le orange, le skyrrel, le chocolate, le metallic rust, metallic orange, metallic gold et le metallic light orange. Donc je me dis que ça peut être sympa. Je vais vous montrer le petit test après. Ensuite, il y avait ce packaging là. Donc il y a le white, le vintage rose, le vintage plume, le black, le metallic light red, le metallic warm pink et le metallic copper et le metallic light copper. Donc je les ai pris parce qu'il y avait des métalliques justement. J'ai ceci. Donc il y a le warm pearl, le violet, le dark denim blue, le midnight blue, le metallic purple blue, metallic purple, metallic cold purple et le metallic warm purple. Donc il y en a à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedans à chaque, dans chaque pack. Donc je pense que c'est le même nombre qu'il y avait avant. Et il y avait ce pack-ci. Donc là-dedans il y a le light peach, le dark corail, le burgundy, l'intense red, metallic pink, metallic fuchsia, le metallic copper rose et le metallic red. Donc j'ai pris 4 packs. Est-ce que s'il y en avait plus ou pas, je n'en sais rien. Moi j'ai pris les 4 packs qu'il y avait. Et je les ai payés en Belgique 4 euros dans mon action. Après, souvent les prix sont quasiment les mêmes. Je vais vous montrer du coup le petit test. Donc la vidéo sera un peu longue, mais je me dis que c'est chouette de vous montrer directement les produits quand on les achète. J'ai pris les conseils d'une colocopine justement, de vous montrer directement quand j'achète, c'est mieux. Bon, comme d'habitude, il faut secouer pour activer. Et après. Toujours hors 4, c'est chiant par contre. Toujours peur d'en foutre partout. Après, faut voir s'ils seront pas secs. C'est ça qui est dommage parce que ça fait quand même 20 balles pour les 4. Et après, si ça va pas, on a un peu les boules. Ah, ça arrive. J'ai comme idée que celui-ci, il est pas bien. Ou alors, il est peut-être trop plein, je sais pas. Ce que je vais faire, je vais tous les activer et je vous reprends après que d'éviter que la vidéo prenne trop de plomb le temps que j'active les trucs. Donc je vous reprends après. Voilà, on se retrouve après que j'ai donc tout amorcé les genres de Posca, donc c'est les paint markers.
Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit souci avec quelques-uns. J'ai eu deux, trois qui étaient déjà amorcés, alors que les packagings étaient fermés, donc je ne comprends pas. Mais bon, ça a quand même fonctionné, et franchement, les couleurs, moi, je les aime beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. Et celles qui sont métallisées, franchement, on voit bien qu'elles sont métallisées. Donc, les métallisées, c'est à chaque fois les quatre dernières, à part celle qui est là. Que j'ai eu le petit foirage sur mes mains, ben c'est justement cette couleur-là. Les trois là, c'est des métallisés également. Et la quatrième, une, deux. Ah oui, et pour ce packaging, donc rose là, j'ai pas mis le blanc et le noir, parce que normalement il y avait le blanc et le noir. Donc c'est ça qui en a un peu moins. Donc vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, plus le blanc et le noir. Donc comme vous pouvez le voir, franchement, les couleurs sont top. J'aime beaucoup. Et il y a le packaging en bas. Donc je crois que ça c'est le packaging automnal vu les couleurs. Donc les deux là ce sont les métallisés. Bon après je suis pas sur un bon papier, je suis sur papier ramette. Donc les deux qu'il y a ici ce sont les métalliques. Et les deux autres ici à la fin, pareil. D'ailleurs ça se voit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me le demander en dessous de la vidéo. Et je vous fais de bisous. Au revoir, bye bye.